Cet épisode commence avec Sinan, qui a passé la nuit devant cette falaise et se réveille enfin. Il a une grosse migraine et essaie de se lever. Pendant ce temps, la fille de Yasmine se réveille et est contente de voir sa mère couchée près d'elle. La petite fille essaie de la réveiller en l'appelant et en lui faisant des bisous, mais celle-ci est profondément endormie. Gökhan vient les voir et est content de voir la petite fille heureuse. De son côté, Esma est avec son frère Yasin, et celui-ci est pensif. Elle lui dit qu'il devrait essayer de manger, et de ne pas s'en faire pour elle. Esma dit ensuite, qu'elle ne sait pas, ce que cette fille a fait à leur mère, mais qu'il devra se séparer d'elle, le plus vite possible. Yasin la prend dans ses bras, et lui dit qu'il s'en va quelque part, et va revenir le plus vite possible. De son côté, Essé est dans sa chambre, et dit qu'il ne reste plus assez de temps, pour qu'elle soit enfin, avec le père de son enfant, et se met à penser au moment, qu'elle a passé avec Yasin. De son côté, Sinan est toujours devant la falaise, et se rappelle de ce qu'a dit Nil, sur le fait que l'homme, pour qui Hasan le laisse tomber est son frère. Il se met à nouveau en colère, et dit qu'elle va lui payer, pour ce qu'elle a fait. Puis il entre dans sa voiture, et se met à dormir. De son côté, Azim est au studio, et dit que c'est le grand jour, car chacun va récolter ce qu'il a sémé. Sevda vient le voir, et il lui demande d'aller dans la chambre de Fazilet. Pendant ce temps, l'avocat d'Azim arrive, et Nermin lui demande de l'attendre dans le salon. De son côté, Fazilet est dans sa chambre, et est en train de collectionner ses bijoux, et dit qu'elle peut trouver un endroit où vivre, en les vendant. Sevda vient la voir, et dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé, et dit qu'Azim lui a demandé de venir prendre tous les bijoux, ainsi que les cartes de crédit. Fazilet demande à Sevda de ne pas les toucher, et dit qu'elle va aller le voir, car il a dépassé les bornes. Elle va le voir, et celui-ci est en train de travailler avec son avocat. Elle lui demande comment il a pu faire ce genre de choses, et veut récupérer ses bijoux. Il demande à discuter avec elle en privé, et dit qu'il ne lui a jamais offert ses bijoux, et dit qu'elle les a achetés, avec la carte de crédit qu'elle bénéficiait à cause de ce mariage. Il dit que puisque le mariage est terminé, il a le droit de les récupérer. Il dit ensuite que sa fille en revanche peut garder les siennes, car elle a été sa femme. Il dit ensuite qu'il doit repartir travailler, et dit qu'il a un nouveau protocole à établir, et s'en va. Une fois parti, Fazilet est sous le choc, et dit qu'il devrait avoir honte. Pendant qu'ils discutaient, Nermin était caché, et était en train de les écouter. De son côté, Yasin est sur la tombe de sa mère, et dit qu'il est facile de prier pour elle, et dit ensuite qu'il ne sait même pas ce qu'elle a dit, car Fazilet a pris ses derniers mots. Il demande à sa mère de ne pas s'en faire, et dit que son petit-fils va grandir, où il doit grandir, et dit qu'il va grandir avec son père. De son côté, Yaji arrive à l'entreprise, et la voit complètement dévastée. Il voit que tout a été détruit dans l'entreprise, et est dépassé. De son côté, Sinan est en train de penser à ce que Hasan lui avait dit, lorsqu'elle le jetait, et fait la marche arrière avec sa voiture. Celui-ci hallucine, et la voit devant lui, et décide de foncer sur elle avec sa voiture, et se dirige vers le précipice. De son côté, Hasan est dans son appartement, et est en train d'écrire les lettres d'adieu pour ses proches. Essé l'appelle, et lui demande l'heure de son vol. Elle dit qu'elle s'en va très tard en soirée, et Essé lui dit qu'elle a quelque chose à faire d'important, et dit qu'elle va venir la voir après, et finira même par l'accompagner à l'aéroport. Hasan lui dit qu'elle est d'accord, et raccroche le téléphone. Une fois terminé, elle dit à sa sœur qu'elle est désolée, et arrange ses choses pour partir. Elle regarde ensuite son appartement, et se rappelle du jour où elle a aménagé, et du jour où elle avait dit à Yaji qu'ils vont devenir très proches, et dit qu'elle n'aurait pas dû venir dans cet immeuble en fin de compte, et s'en va. Une fois en bas, elle laisse les lettres pour sa sœur, sa mère et Sinan, à la réception de l'immeuble.
Elle rencontre Farah et celle-ci lui dit qu'elle pensait que son vol partait en soirée. Hassan ne lui répond pas et lui remet les clés de l'appartement et dit qu'il est à elle maintenant et s'en va. Farah reste plantée au sol et est un peu triste. De son côté, Yaji veut appeler Sinan, se rappelle de ce que son père lui a dit et finit par renoncer à le faire. De son côté, Fazilé entre dans la chambre de sa fille et lui demande où se trouvent ses valises. Fazilé dit à sa fille que son mari est sérieux et dit qu'il a envoyé Sevda prendre ses bijoux et ses cartes de crédit. Essé se met à sourire et Fazilé lui dit qu'elle n'a qu'à se réjouir et dit qu'elle va le regretter, mais cela sera trop tard. Fazilé dit à sa fille qu'il a bien voulu lui laisser ses bijoux et ouvre le coffre. Elle se rend compte qu'il est vide et demande à sa fille où sont passés ses bijoux. Essé lui dit qu'elle les a remises et dit que rien ne les appartient dans cette villa et compte bien repartir comme elle est venue. Fazilé essaie de pendre ses vêtements de marque et Essé refuse également. De son côté, Azim est en train de travailler avec l'avocat et Céline vient le voir. Elle lui demande si elle peut sortir et celui-ci accepte et dit qu'ils pourront dîner ensemble plus tard. Il lui demande ensuite si Nil lui a donné les nouvelles de Sinan et elle dit qu'elle n'a pas de nouvelles et demande à Azim si quelque chose s'est passé. Azim lui dit que tout va bien et dit qu'il en fait un peu trop et Céline s'en va. De son côté, Sinan se réveille et se rend compte qu'il est en train de tomber petit à petit de la falaise et dit qu'il doit se calmer et essayer de sauver sa vie. De son côté, Fazilé demande à sa fille si elle a perdu la raison et demande si elle pense que cet homme va lui donner une médaille pour n'avoir rien pris. Essé dit qu'elle ne veut pas de médaille, mais juste partir comme elle est venue. Fazilé lui dit qu'elle est inquiète pour son petit-fils et dit qu'elle devrait au moins prendre la maison. Essé lui dit qu'elle n'a besoin de rien et dit que la maison de Yazine lui sera toujours ouverte et elle le sait. Elle dit ensuite que si sa mère est d'accord pour abandonner ses rêves de fortune, elle saura qu'il y a également une place pour elle là-bas. De son côté, Hassan est sur la tombe de son père pour lui faire ses adieux. Elle dit qu'elle est venue pour lui dire au revoir cette fois-ci et dit qu'elle s'enfuit pour la première fois de sa vie et dit qu'elle sait qu'il sera toujours avec elle car elle l'aime tellement. De son côté, Yaji sort de l'entreprise et dit qu'il veut juste d'un jour où il ne sera pas le frère, mais lui-même, et s'en va en voiture. De son côté, Essé est sur le point de signer le nouveau contrat, et sa mère lui demande de ne pas faire cela. Une fois sur place, Fazilé demande à lire le contrat, et dit qu'il ne peut pas laisser sa fille enceinte dans la rue, et demande ce que les gens vont dire. Essé lit à peine le contrat, et le signe. Voyant cela, Fazilé est sous le choc. De son côté, Sinan essaie de sortir de la voiture, mais celui-ci n'arrive pas et se rapproche de plus en plus d'une chute de la falaise. Hassan arrive dans son ancien quartier et les enfants qu'elle aide de temps en temps courent vers elle et sont fiers de la voir et lui font plein de bisous. De son côté, Fazilé est en colère contre Azim et son avocat et Azim dit qu'elle n'a pas à le faire et dit qu'une maison attend Essé si elle le désire. Essé lui dit qu'elle ne veut rien et dit qu'elle le remercie pour ce qu'il a fait pour elle et dit que personne ne l'avait fait auparavant. Fazilé ne peut plus et s'en va. Essé dit à Azim qu'elle a une dette envers lui et dit qu'elle espère un jour le lui rendre. Elle dit que son fils et elle ne l'oublieront jamais et s'en va. Une fois aux escaliers, Fazilé dit à sa fille qu'elle est une mère et connaît ce qui va se passer et lui dit que le bien ne l'attend pas derrière cette porte de la villa. Elle lui dit ensuite que rien de bon ne peut venir de ce garçon et dit qu'elle a eu à faire d'énormes sacrifices pour entrer dans cette villa et dit que son rêve est tombé à l'eau et se met à pleurer. De son côté, Sinan essaie alors de sortir par la portière arrière de la voiture mais finit quand même par tomber de la falaise et se met à crier avant que sa voiture ne se fracasse au sol. C'est déjà terminé pour cet épisode de votre série préférée, Madame Fazilé et ses filles. Abonnez-vous et likez la vidéo si cela vous a plu et à bientôt sur Honnête TV pour un nouvel épisode.